chers élèves, chers courageux et courageuses qui arrivent à suivre encore ces séances télévisées consacrées à l'économie. Aujourd'hui, nous allons terminer la première section du chapitre 3 de notre programme, les firmes multinationales. Section 1, intitulée la notion de firme multinationale. Lors de la séance précédente, nous, étions, nous avons fait déjà la première sous-section, présentation de la firme multinationale, puis on avait commencé la deuxième sous-section, intitulé « Les différentes formes de filiales », et on s'était arrêté à la première forme de filiale, la filiale commerciale. Donc Dans la séance d'aujourd'hui, au cours de cette séance, nous allons continuer donc avec les différentes formes de filiales. On va s'intéresser aux filiales relais et aux filiales ateliers. Puis, le troisième, troisième et dernière sous-section, le développement des échanges intra-firmes. Donc avant de commencer, un petit rappel concernant cette première sous-section, présentation de la firme multinationale. Il s'agissait d'un côté de définir la firme multinationale, et de l'autre de montrer de quelle manière une firme peut devenir une multinationale, c'est-à-dire les modalités de la multinationale. Donc une firme multinationale, c'est quoi Elle est constituée d'une société mère avec au moins une filiale implantée à l'étranger. Une filiale étant une société qui est possédée, ou en tout cas en partie possédée, par une société étrangère. En ce qui concerne les modalités de la multinationalisation et donc des filiales, au fond, ces filiales peuvent être possédées soit par acquisition totale ou partielle, c'est-à-dire qu'une firme multinationale peut décider d'acquérir totalement ou partiellement une entreprise établie à l'étranger ou créer, seul ou en co-entreprise, une filiale entièrement nouvelle. En ce qui concerne la deuxième sous-section, les différentes formes de filiales, on s'était arrêté où, à la première forme, les filiales commerciales. On avait vu que ces filiales commerciales, au fond, on pourrait synthétiser le fait que leur implantation, au fond... Euh, renvoie à une intégration en amont. C'est-à-dire que si la firme multinationale cherche, à travers l'implantation de filiales commerciales, à contrôler ses approvisionnements, ça, les mobiles ressemblent à une intégration en amont. C'est presque une intégration en amont, une concentration verticale en amont, c'est-à-dire en remontant la filière. Si la firme multinationale cherche à contrôler, au contraire, là où on inverse son réseau de distribution, là, au fond, l'implantation de filiales commerciales renvoie à une intégration en aval, c'est-à-dire en descendant la filière. Donc maintenant nous allons commencer. Petit 2, deux, la deuxième forme de filiale, les filiales relais. On va s'appuyer, comme d'habitude, sur une activité de notre manuel, l'activité 4, page 275, intitulée Produire à l'étranger. Après une première période de développement à l'étranger des firmes à la recherche de ressources naturelles, minérales et agricoles, on voit émerger des entreprises manufacturières. Les nouvelles filiales ont pour mission de porter la concurrence sur les marchés contre les entreprises locales. Donc, L'idée ici, c'est que, on a vu les filiales commerciales, au départ, c'était surtout elles étaient implantées par ce qu'on a appelé les firmes multinationales primaires. Donc là, on voit qu'à partir des années 50, surtout des années 60, il y a de nouvelles formes de filiales qui sont implantées parce que la stratégie change. C'est-à-dire que les, les, les firmes multinationales, à partir des années 60, ont une stratégie de marché qui est liée à la demande. Et donc, cette stratégie de marché fait que ces filiales, ces firmes multinationales vont implanter des filiales relais dans les pays où la demande est potentiellement importante, puisque c'est une logique de demande. Donc, quels sont ces pays où la demande est potentiellement importante Ben, il peut s'agir, bien sûr, c'est d'abord les marchés, les pays les plus avancés, puisque c'est là où il y a une classe moyenne aisée, qui est capable donc d'acheter des biens. Donc, les firmes multinationales vont implanter des filiales relais dans les marchés des pays les plus avancés, des pays développés mais aussi, de plus en plus, ces firmes multinationales vont implanter des filiales relais sur, sur les marchés émergents, par exemple la Chine. Donc, l'idée ici, c'est que la filiale relais, ou les filiales relais, leur implantation est liée à une nouvelle stratégie poursuivie par la firme multinationale, qui est une stratégie de marché, c'est-à-dire une logique de demande. Donc, là, la question qui peut se poser, c'est pourquoi ces firmes multinationales, au fond, implantent des filiales relais pourquoi elle ne se contente pas d'exporter Donc on va s'appuyer sur l'activité 4 page 275 produire à l'étranger pour terminer donc la multinationale est amenée à prendre la décision d'investir par la constatation que les exportations ne lui permettent pas ou plus d'atteindre ses objectifs. La stratégie d'exportation devenue inefficace, il devient nécessaire de lui substituer une nouvelle. La production directement sur le lieu de commercialisation L'entreprise décide alors de produire directement sur place pour le marché local. Le problème est essentiellement commercial. Il s'agit d'améliorer les ventes à l'étranger. L'implantation de filiales de relais à l'étranger correspond fondamentalement à une stratégie de poursuite des exportations par d'autres moyens. Donc, le texte répond d'une certaine façon à la question qu'on s'est posée pourquoi ces firmes ne se contentent pas d'exporter ou à la rigueur d'implanter des filiales commerciales, des filiales de commerce de gros ben on le voit bien, d'après ce texte, c'est que le principal problème qui est lié à l'implantation, que rencontre les firmes multinationales et qui les oblige, entre guillemets, en tout cas qui les pousse à implanter des filiales relais, c'est l'existence de barrières tarifaires et non tarifaires qui, au fond, euh, diminuent leurs exportations, qui, ne font, qui font que leurs exportations n'arrivent pas à, à ce qu'ils souhaiteraient faire. Donc pour les firmes multinationales, cette implantation de filiales relais sert en premier lieu... Pour contourner les barrières tarifaires, c'est-à-dire les taxes douanières, les droits de douane, et non tarifaires, c'est-à-dire des normes techniques, etc. Donc, c'est l'existence de ces barrières tarifaires et non tarifaires qui, qui pousse les firmes multinationales à implanter des filiales relais. D'ailleurs, il y a un exemple, et donc qui pousse, il y a un exemple très connu, c'est celui de Toyota. La firme multinationale, c'est le constructeur automobile japonais, qui, dans les années 80, a implanté des filiales relais aux États-Unis, mais aussi en Europe. En France, plus exactement, justement pour contourner ces barrières et pouvoir produire et vendre comme ils le souhaitent dans ces marchés très importants pour ce constructeur automobile que sont les États-Unis et l'Europe. Donc, premier, premier mobile de l'implantation de filage relais, c'est contourner, éviter ces barrières tarifaires, ces taxes douanières, ces normes euh, techniques qui empêchent ces firmes d'exporter autant qu'elles le souhaitent. Donc, il s'agit pour elles de produire sur place pour augmenter leur part de marché sur leur marché classique, c'est le cas de Toyota, l'exemple de Toyota que je viens de vous donner. Donc, il s'agit de produire sur place, de fabriquer sur place le même bien, ou encore de conquérir de nouveaux marchés. C'est-à-dire que certaines firmes multinationales vont implanter des filiales relais dans certains pays pour conquérir un marché qu'elles n'avaient pas auparavant. C'est le cas, par exemple, de, du groupe PSA, le groupe Peugeot -Citroën, euh, Peugeot Citroën, qui a implanté des filiales relais en Chine justement pour conquérir ce marché très prometteur et aussi pour adapter sa production, ses voitures, à la clientèle locale. Donc, pour résumer, l'implantation de filiales relais, ce qui est important, c'est le terme relais ici, c'est-à-dire que c'est une filiale qui va prendre le relais de la société mère, donc il s'agit au fond de poursuivre ou de remplacer, de surtout de poursuivre une stratégie d'exportation. Donc, une firme multinationale va implanter des filiales relais. D'abord pour contourner les barrières tarifaires et non tarifaires, mais surtout pour produire sur place, afin d'augmenter ses parts de marché, afin de conquérir de nouveaux marchés, et enfin, parfois, pas toujours le cas, afin d'adapter sa production à la clientèle locale. Qu'est-ce qu'une filiale relais alors finalement ben, Une filiale relais, c'est la filiale copie-conforme de la maison mère sur son marché d'implantation, commercialise une large part des produits de produits de la maison mère, à partir d'importations provenance de celle-ci. Par ailleurs, elle produit sur place la même gamme de produits de la maison-mère en fonction de l'importance de la demande locale. Ces produits correspondent donc à ceux de la maison-mère avec parfois quelques adaptations mineures. Donc, une filiale relais, c'est tout d'abord une entreprise manufacturière, c'est une entreprise qui produit. Bien sûr, la filiale relais continue souvent à commercialiser les produits qu'elle importe de la société-mère elle continue au fond à. Importer, c'est bien fini, mais c'est surtout, ce qui est très important pour une filiale relais, c'est qu'elle est une entreprise manufacturière, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui va produire sur le lieu de commercialisation, sur le lieu d'implantation. Donc le marché, le, le pays d'accueil, c'est le marché visé. Donc, production sur le lieu de commercialisation, et surtout une filiale relais va produire quoi ben, La même gamme des produits calqués, des biens calqués sur ceux de la maison mère. Donc elle va produire un bien fini. La filiale de Toyota en France bah, produit des voitures. Elle ne produit pas un composant ou une partie de ces voitures. Donc la même gamme de produits, avec parfois quelques modifications. Donc voilà, une filiale relais, c'est quoi C'est une entreprise manufacturière, c'est le plus important. Donc c'est une entreprise qui produit un bien fini, un bien fini qui ressemble, qui est calqué parfois avec quelques adaptations, au bien produit par la société mère sur le lieu d'implantation. Voilà pour ce qui est des filiales relais. Donc pour récapituler un peu. Ces filiales relais, mais aussi les filiales commerciales que nous avons vues au cours de la séance précédente, on va poser, se poser une question assez classique c'est comparer les filiales commerciales et les filiales relais. Donc la consigne ici, c'est comparer. Donc faut pas, ici, il ne faut surtout pas, au fond, définir les filiales commerciales et les filiales relais. La consigne, c'est comparer, ce n'est pas définir. Donc comparer, il faut souligner les différences entre les deux notions, mais aussi. Les points communs. Donc, à chaque fois que vous avez la consigne comparée, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les points communs. Il ne s'agit pas seulement de signaler ou d'écrire les différences. Il ne faut surtout pas définir, se contenter de définir, mais il ne faut pas oublier aussi les points communs. Donc, comparer les filiales commerciales et les filiales relais, on va voir quelles sont les différences et les points communs. Donc, les filiales commerciales et les filiales relais en temps commun, ben quoi Tout d'abord, ça paraît bête, c'est qu'elles sont des filiales. Donc le fait qu'elles soient des filiales, c'est-à-dire des entreprises dont le capital social est entièrement ou partiellement détenu par une entreprise étrangère, la société mère. Ensuite, les deux formes de filiales, c'est-à-dire les filiales commerciales et les filiales relais, peuvent commercialiser des produits de la société mère. On a dit qu'une filiale relais, au fond, euh, avait la particularité d'être une filiale, une entreprise manufacturière, mais il ne faut pas oublier que dans la plupart des cas, elle commercialise aussi les produits qui lui proviennent de la société mère. Donc, les deux formes de filiales, les filiales commerciales sont les filiales de commerce de gros, commercialisent des produits de la société mère. Par contre, donc on va voir là maintenant les différences. Les filiales commerciales ne produisent pas, elles extraient des matières premières lorsqu'il s'agit d'une stratégie d'approvisionnement, par exemple, pour approvisionner la société mère ou commercialisent les produits de cette dernière lorsqu'il s'agit de filiales de commerce de gros. Donc dans les deux cas, il n'y a pas vraiment de production. Soit il y a une extraction de matières premières de biens agricoles soit il y a une commercialisation c'est-à-dire c'est la distribution d'un produit qui arrive de la société mère ou d'autres filiales. Donc par contre les filiales commerciales ne produisent pas, c'est ça qui est le plus important. Tandis que donc il faut toujours utiliser tandis que alors que les filiales justement relais produisent des biens analogues, calqués, analogues à ceux de la société mère. Donc la grande différence entre les filiales commerciales et les filiales relais, c'est que les filiales relais sont des entreprises manufacturières, elles produisent. Donc les filiales relais produisent des biens analogues à ceux de la société mère. C'est une entreprise manufacturière liée à une stratégie de marché. Donc n'oubliez pas, lorsque la consigne est comparée, surtout ne pas se contenter de définir les deux notions, première chose. Deuxième chose, ne pas oublier les points, ou en tout cas les, les, les points communs et les différences, comparées à les deux. Il n'y a pas que les différences, il y a aussi les points communs. On va passer maintenant, si vous voulez bien, à la troisième et dernière forme de filiale, les filiales ateliers. Donc là aussi, on va s'appuyer sur une activité de notre manuel, l'activité 6, page 276, intitulée « À la stratégie globale répond la filiale atelier ». À partir de la deuxième moitié des années 60, on assiste à l'apparition d'une nouvelle forme d'organisation des entreprises multinationales. Conduisant à la constitution d'un système intégré à l'échelle internationale, la firme abandonne sa conception fondée sur la division de ses activités entre son territoire national et l'extérieur pour une conception globale intégrant l'ensemble de ses opérations. Donc, les termes importants ici, c'est que il y a l'apparition d'une nouvelle forme d'organisation des entreprises multinationales. Il y a une nouvelle conception, une conception globale. Donc, l'idée, c'est que à partir des années 60, mais surtout L'essor de ces, ce type de filiale, de la stratégie qui va avec, c'est à partir des années 80. Donc, il y a l'apparition d'une nouvelle conception, une conception globale, et aussi une nouvelle forme d'organisation des entreprises nationales. C'est-à-dire que, à, contrairement aux filiales relais, qui étaient liées à une stratégie de marché et à une logique de demande, il s'agissait d'implanter des filiales, il s'agit toujours, il y en a encore, d'implanter des filiales relais sur le lieu de commercialisation. Donc ce qui est important, c'est pour ça qu'on dit que c'est une logique de demande, c'est le marché, c'est le lieu d'implantation de la filiale. Par contre, les filiales ateliers, au fond, sont liées à une autre conception. C'est une conception globale et surtout à une autre logique. Il ne s'agit plus d'une logique de demande, c'est une logique d'offre. C'est-à-dire que le lieu d'implantation de la filiale atelier n'est pas... Ce n'est pas, pas là où il va y avoir vente. Ce n'est pas le lieu de commercialisation. Donc les filiales ateliers sont liées à une logique d'offre, alors que les filiales relais... Sont liés à une logique de demande. Donc, on va essayer de comprendre un peu plus c'est quoi cette conception globale en nous appuyant sur l'activité 5, page 276 de notre manuel. Avec un titre, il faudra s'en rappeler La décomposition internationale du processus de production, DIP. Les activités internationales des firmes se sont accrues avec la possibilité de décomposer les produits. Plus le produit est complexe, et plus il se compose de sous-ensembles ou de composants qui peuvent être fabriqués de façon autonome les uns des autres autonome et indépendante un véhicule automobile comporte par exemple plus de 5000 pièces ces composants sont réunis en sous-ensembles puis totalement rassemblés lors de l'élaboration du produit final dans une chaîne d'assemblage cette décomposition du produit peut permettre alors de fabriquer les différentes pièces dans de nombreux pays la production sera décomposée Internationalement, d'où le nom de décomposition internationale du processus de production. Donc, cette conception globale des firmes multinationales est liée à cette décomposition internationale du processus de production. C'est-à-dire qu'un produit, plus il est complexe, plus il peut être divisé. Donc, on va prendre un exemple, celui d'Intel, pour comprendre cette décomposition internationale du processus de production. Donc, Intel a une, un centre de recherche aux États-Unis, son pays d'origine. Elle a une unité de fabrication parmi d'autres, hein, je n'ai pas mis toutes les filiales, en Irlande, une unité d'assemblage aux Philippines et une autre au Costa Rica. Donc vous voyez que Intel a, Intel a des filiales éparpillées sur plusieurs pays ou en tout cas sur trois continents. Donc l'idée ici, lorsqu'on parle de filiales, c'est que chacune de ces filiales, au fond, se, va se spécialiser dans quelque chose. C'est-à-dire le centre de recherche, c'est là. Qui a lieu, a lieu la conception. L'unité de fabrication, c'est là qu'on va produire, fabriquer un composant. L'assemblage, c'est là où on va assembler les plusieurs, on plusieurs composants. Donc, chaque filiale, au fond, se spécialise. Donc, il y a le processus de production, au fond, il est divisé entre ces filiales. Donc, il y a une division, une décomposition du processus de production entre la conception, la fabrication, l'assemblage. On pourrait même détailler encore plus. Donc, Décomposition du processus de production, ou division du processus de production. Pourquoi c'est international ben, C'est clair. La fabrication se fait en Irlande, l'assemblage se fait aux Philippines. Ben, pour l'Irlande, lorsqu'elle va envoyer, lorsque la filiale d'Intel située en Irlande va envoyer un composant, par exemple, à l'unité d'assemblage aux Philippines, pour l'Irlande, c'est une exportation pour les Philippines, c'est une importation. Donc il s'agit d'un échange international. Donc il y a franchissement de la douane. Donc, c'est pour ça qu'on parle de, process... de décomposition internationale du processus de production, puisque cette division du processus de production se fait sur plusieurs pays, voire même plusieurs continents différents. Donc la DIPP, ou la DIP, la décomposition internationale du processus de production, consiste quoi à, quoi à faire quoi à Décomposer le processus de production en plusieurs sous-ensembles ou segments réalisés chacun, comme on le voit là, dans un pays différent grâce aux filiales ateliers. En effet, chaque filiale, chaque filiale atelier, sera spécialisée dans la production d'un élément de la gamme ou dans un type de pièce détachée. Elle devient une unité spécialisée au sein d'un ensemble intégré. Elle remplit un rôle comparable à celui d'une usine au sein d'une entreprise nationale. Nous la désignerons par le terme de filiale atelier. L'existence d'un réseau étendu de filiales facilite une telle réorganisation. Chaque filiale produit pour un marché plus vaste que son marché national. Elle livre aux filiales sœurs une partie importante de sa production et reçoit en retour bon nombre de leurs produits. Donc, chaque filiale atelier, c'est une unité spécialisée. Spécialisée dans quoi Dans la production d'un composant du produit final, dans la production d'un type de pièces détachées, dans la conception du produit en amont et dans l'assemblage et la commercialisation en aval. Donc une filiale atelier, c'est une unité spécialisée, puisqu'elle est à la base, au fond, de la décomposition internationale du processus de production. Comme il y a une décomposition du processus de production, ben, chaque filiale sera spécialisée dans la production, ou la conception, ou l'assemblage, la, c'est-à-dire dans une tâche bien spécifique. Et c'est les échanges entre ces différentes filiales qui permettent à la fin d'avoir un bien fini. Donc filiale atelier, c'est une unité spécialisée, on le voit, dans la production d'un composant, d'un type de pièce détachée, dans la conception ou encore dans l'assemblage. Pour terminer avec les filiales ateliers, il faut comprendre pourquoi, quel est le mobile au fond, quels sont les mobiles des firmes multinationales qui les poussent à implanter ces filiales ateliers et à décomposer d'une manière internationale le processus de production. On va reprendre l'activité 5. On va lire ensemble, si vous voulez, les dernières lignes. La logique de cette décomposition internationale est souvent liée à la capacité d'une firme étrangère d'effectuer, au moindre coût, le sous-ensemble recherché. Les opérations d'assemblage et de montage nécessitent en général beaucoup de main-d'œuvre peu qualifiée. Celles-ci pourront être effectuées dans des pays où cette main-d'œuvre est abondante et peu onéreuse. Donc, on voit ici, d'après ce texte, il y a déjà un mobile qui est clair et net c'est baisser le coût unitaire de production. Donc au fond, la firme multinationale implante des filiales ateliers, décompose d'une manière internationale le processus de production pour obtenir une meilleure compétitivité. Lorsqu'on dit meilleure compétitivité, bien sûr, une meilleure compétitivité prix. C'est-à-dire que la firme multinationale va chercher à baisser ses coûts de production en implantant ses filiales ateliers euh, là où dans les pays où le coût salarial unitaire est bas, dans les pays où euh, la fiscalité est avantageuse, où les consommations intermédiaires sont euh, abondantes. Donc là où elle pourra réduire au maximum son coût unitaire de production. Mais compétitivité, il n'y a pas que la compétitivité-prix, il y a aussi la compétitivité hors prix. Donc une firme multinationale implante des filiales ateliers pour améliorer aussi sa compétitivité structurelle hors prix. Là, ce ne pas du tout les mêmes pays, elle va implanter ses filiales ateliers dans les pays caractérisés par un capital humain qualifié qualifiés grâce à des pôles universitaires performants, grâce à une formation professionnelle qui est assez bonne. Mais aussi, pour améliorer cette compétitivité structurelle, les pays, ces firmes multinationales vont implanter leur filier à l'atelier dans les pays où il y a une infrastructure de qualité, où les technologies sont assez avancées. Donc, l'idée, au fond, c'est que cette stratégie, cette logique d'offre est liée à une meilleure compétitivité prix et hors prix. Donc, Récapitulation là aussi, on va faire un peu comme on l'a fait tout à l'heure, mais au lieu de comparer, la consigne maintenant, c'est distinguer. Distinguer les filiales ateliers des filiales relais. Donc cette consigne distinguer, au fond, elle est un peu plus simple. Plus simple que comparer. Ce qu'il faut surtout éviter, comme d'habitude, c'est de définir les filiales ateliers et les filiales relais, se contenter de la définition. Distinguer, l'idée, c'est qu'il faut insister sur les différences, mais seulement les différences. C'est-à-dire qu'ici, on ne va pas parler des points communs. Donc, distinguer les Qu'est-ce En quoi diffèrent les filiales ateliers des filiales relais ben, Les filiales ateliers produisent des composants, des pièces détachées ou encore des biens semi-finis qui ne sont pas destinés d'abord au marché d'implantation, c'est-à-dire là où elles sont, mais plutôt destinés à être exportés vers d'autres filiales, d'autres filiales ateliers ou vers la société mère. Donc, il y a une logique d'offre. Donc, ce qui est important ici, c'est que d'abord, les filiales ateliers ne produisent pas un bien fini produisent des biens semi-finis, des composants, des segments. Et en plus, la filiale atelier, au fond, sa production n'est pas destinée au pays d'accueil. Ce n'est pas là où elle est implantée qu'elle va vendre. Elle va généralement, cette filiale atelier, va envoyer, exporter ce, ce, les, les biens semi-finis ou les segments vers d'autres filiales ateliers ou vers la société mère. Donc, alors que, tandis que, les filiales relais produisent des biens finis. Ça, c'est la grande différence destinés au marché d'implantation. C'est une autre différence, au fond, même si on la met ensemble, c'est-à-dire que les filiales relais, comme c'est une logique de demande, leur production est destinée au pays dans lequel elles sont implantées, ou sur lequel elles sont implantées. Donc les filiales relais produisent des biens finis destinés au marché d'implantation ou à des marchés situés à proximité de ce marché. Par exemple, Toyota, quand elle installe une filiale à Valenciennes en France, bien évidemment, c'est aussi pour toucher le marché européen, c'est pour avoir accès à toute l'Union européenne. Donc là, c'est une logique de demande. Donc voici, vous voyez là, les distinctions, ou la principale distinction entre les filiales ateliers et les filiales relais. Donc on a terminé avec la deuxième sous-section. Dernière sous-section le développement des échanges intra-firmes. Donc on va commencer par définir ces échanges intra-firmes voir quels sont les produits qui sont échangés et constater leur développement. Donc, premièrement, en définition des échanges intra-firmes. On va s'appuyer sur l'activité 2, page 284 de notre manuel, intitulée Les flux internes de la multinationale. Le fonctionnement des multinationales donne naissance à un certain nombre de flux de biens, de services, de technologies, de financements, qui prennent place entre les différentes unités composantes. C'est quoi ces unités composantes Maison-mère et filiales. Le commerce intra-firme est constitué par les transactions commerciales qui ont lieu entre la maison mère et ses filiales ou entre les différentes filiales. Donc le commerce intrafirme, c'est les transactions commerciales qui ont lieu entre la maison mère et ses propres filiales ou entre les différentes filiales qui appartiennent à cette maison mère. En raison de la dissémination géographique des différentes unités, c'est-à-dire le éparpillement, le fait qu'elles existent un peu partout, ces flux apparaissent comme des flux internationaux. Mais ils sont, et c'est leur caractère essentiel, des flux internes à l'espace économique de la multinationale. Il est possible de parler à leur propos d'internalisation des transactions internationales. Pour simplifier un peu tout ça, on va revenir à notre exemple d'Intel. Donc, si vous vous rappelez, c'est devant vous là maintenant, il y a plusieurs filiales qui sont éparpillées un peu sur trois continents. Donc ces filiales, au fond, échangent entre elles. Elles échangent entre elles. Ça dépend des composants, des segments, mais il y a des échanges entre les différentes filiales et des échanges entre les filiales et la société mère. Donc ces échanges entre ces filiales, entre l'Irlande et les Philippines, Costa Rica, etc., donc ce sont des échanges internationaux, puisqu'il y a franchissement des frontières. C'est-à-dire que le produit, le composant, le, la pièce détachée qui va partir... D'Irlande vers les Philippines ou vers la Costa Rica, bah, c'est une exportation pour l'Irlande et une importation pour l'un de ces deux pays. Donc il s'agit d'échanges internationaux. Mais en même temps, ces échanges se font à l'intérieur de la firme, à l'intérieur d'Intel. C'est-à-dire qu'on ne sort pas du cadre de l'unité de décision qui est Intel. Donc c'est pour ça qu'on parle d'échanges intra firmes même si ce sont, ce sont des échanges internationaux, puisqu'il y a franchissement de frontières, d'Irlande vers les Philippines, au Costa Rica, etc. Mais ce qui est important, c'est que ces échanges internationaux restent à l'intérieur de la firme, à l'intérieur d'Intel. C'est-à-dire que ce sont des échanges intra firmes Donc, ces échanges intra au fond, il y a un certain nombre de produits. Donc, deuxièmement, la nature des produits. On va voir de quoi il s'agit, quels sont les produits échangés dans le cadre de ces échanges intrafirmes. Donc là aussi on va s'appuyer sur l'activité 2 page 284, on va lire juste les dernières lignes. Les biens concernés correspondent à des biens d'équipement, pièces détachées, composants nécessaires aux opérations de production à l'étranger peuvent également subsister à cette étape des flux de biens finis qui sont revendus en l'état par les filiales de production conservant une fonction de distribution des produits de la maison mère. Donc au fond, quels sont les produits qui font l'objet de ces échanges intra-firmes, on a les biens de production, c'est-à-dire que ce soit les matières premières, l'énergie ou les biens d'équipement tels que les machines, etc., des pièces détachées, des composants et des produits semi-finis et des produits finis. Des biens de production importés par les filiales relais en provenance de la société mère, par les filiales ateliers en provenance d'autres filiales ou de la maison mère, et par la société mère de ces filiales commerciales. Ben, déjà, la dernière euh, idée, c'est que les filiales commerciales, lorsqu'il s'agit d'une stratégie euh, d'approvisionnement, ben, elles vont envoyer à la société mère, c'est leur rôle, elles vont approvisionner la société mère en matières premières, c'est-à-dire en biens de production. En ce qui concerne les pièces détachées, les composants et les produits semi-finis, ben, ils sont échangés essentiellement entre les filiales ateliers dans le cadre de la décomposition internationale du processus de production. On a vu que les filiales ateliers produisaient essentiellement des produits semi-finis, des pièces détachées, des composants, des segments, pas de produits finis dans la plupart des cas. Donc euh, ces biens-là sont essentiellement échangés entre les filiales ateliers. Enfin, les produits finis, ben, ils sont exportés par la société mère ou ses filiales ateliers, voire même certaines filiales relais, vers les filiales commerciales, comme commerce de gros les, les filiales de commerce de gros ou la firme mère. Donc voilà en ce qui concerne les produits, il y a presque tout. Ce qui est important, au fond, de se rappeler un peu ici pour enfin, avoir un petit parallèle avec ce que vous avez vu jusque-là, c'est que ces échanges entre les filiales ateliers dans le cadre de la DIPP, dans le cadre de la décomposition internationale du processus de production, eh bien, ces échanges sont une des raisons, pas la seule, mais une des raisons du développement du commerce intra que vous avez vu au cours de la deuxième section de, du chapitre 2 de cette dernière partie. Enfin, pardon, le développement du commerce intra -firme. Donc, ça va être très rapide, on a une phrase à lire. Le commerce intra-firme représente environ un tiers des échanges internationaux des pays développés. Donc un tiers et même peut-être plus, c'est beaucoup. Ça montre que ce commerce, que ces échanges intra-firmes, donc qui sont à l'intérieur des firmes, entre les filiales ou entre les filiales et la société mère, ces échanges sont de plus en plus importants. Ce terme environ ici, ce n'est pas pour faire joli, hein, c'est juste pour dire que c'est un aveu de la difficulté de vraiment de quantifier exactement le poids, de savoir quel est le poids de ces échanges intrafirmes. Justement, comme ils sont -firmes, les firmes multinationales ne veulent pas trop dévoiler leurs chiffres, et donc on a du mal à quantifier exactement. On sait que c'est important, que c'est plus d'un tiers, ça c'est sûr, mais on ne sait pas exactement combien. Donc, ces échanges intrafirmes, on peut se poser pourquoi, au fond, leur poids a augmenté. On l'a vu, au fond, déjà au début de la section. D'abord, ça s'explique par l'augmentation du nombre de firmes multinationales de leurs filiales. Et deuxièmement, par la multiplication des firmes multinationales qui adoptent une stratégie de décomposition internationale du processus de production, c'est-à-dire qui implantent des filiales ateliers. Ben, cette augmentation du nombre de firmes multinationales, leurs filiales, et surtout la multiplication à partir, essentiellement des années 80, du nombre de firmes multinationales qui adoptent une stratégie de décomposition internationale du processus de production, ben, ces deux phénomènes expliquent l'accroissement du commerce intra l'augmentation des échanges intra -firme. Pour récapituler, au fond, puisqu'on a terminé là cette section, cette section 1 du chapitre 3 du dernier chapitre de votre programme, section 1 intitulée « La notion de firme multinationale ben, », il y avait trois sous-sections. Première sous-section, présentation de la firme multinationale. Donc, l'idée, c'était de définir la firme multinationale, de montrer qu'elle qu est composée d'une société mère et d'au moins une filiale puis de montrer quelles sont les modalités, de quelle manière les firmes multinationales, justement les entreprises, deviennent des firmes multinationales, c'est-à-dire comment elles implantent leurs filiales. Ben, cette implantation se fait soit par création d'une entreprise qui n'existait pas auparavant, c'est-à-dire on va créer une nouvelle entreprise, soit par acquisition partielle au total d'une entreprise qui est déjà établie dans un pays étranger. Deuxième sous-section, les différentes formes de filiales. Première forme, la plus ancienne, les filiales commerciales. Ben, ces filiales commerciales sont liées une stratégie d'approvisionnement ou de distribution. À chaque fois que vous avez ce terme filiale commerciale, essayez de penser à la concentration verticale, en amont ou en aval. Vous aurez à peu près, si on vous demande les mobiles, vous saurez quoi dire. Donc, première forme de filiale, la filiale commerciale. Deuxième forme de filiale, la filiale relais. Donc, c'est une logique de demande. Au fond, on relaie, le terme relais, c'est un peu comme... Malheureusement, cet été, il n'y aura pas les Jeux Olympiques. Mais si vous avez déjà regardé les Jeux Olympiques, il y a les courses, par exemple le, 400, le 4 x 100 mètres relais. Vous avez les, les athlètes qui se passent ce petit bâton l'un à l'autre. Donc, c'est le relais. Donc, la, les filiales relais, c'est-à-dire ce sont des filiales qui vont prendre le relais de la société mère et donc ils vont produire en quelque sorte à sa place. Donc, les filiales relais sont liées à une logique de demande. Il s'agit de produire sur le lieu de commercialisation. Enfin, troisième et dernière. Forme de filiales, les filiales ateliers, ben là, c'est une autre logique, c'est une logique d'offre qui est surtout liée à la possibilité, quand les firmes multinationales aujourd'hui, depuis les années 80, à décomposer d'une manière internationale le processus de production. Enfin, dernière sous-section, le développement des échanges intra On a défini ce que c'était déjà ces échanges intra cest c'est-à-dire qu'il s'agit d'échanges. Qui se passent à l'intérieur du même firme, même s'ils sont internationaux, même s'il y a franchissement des frontières, ces échanges se font à l'intérieur d'une unité de décision qui est la firme. Donc, ces échanges intra-firmes, ce qui est important de se rappeler aussi, si j'arrive à le faire marcher, c'est que, que ces échanges entre les filiales ou entre les filiales et leur société mères, au fond, ont de plus en plus d'importance. C'est surtout lié au développement des filiales ateliers et de la décomposition internationale du processus de production. Voilà. Merci vraiment pour votre attention. Comme c'est la dernière séance avec vous, je voulais vraiment remercier tous mes collègues, enseignants du primaire, du secondaire et du collège, qui ont essayé de vous donner ces séances avec les différents, leurs différents inspecteurs. Je voulais aussi remercier les techniciens, qui n'ont rien demandé, les techniciens, réalisateurs, monteurs, qui ont dû travailler presque d'une manière triple ces, ce dernier mois pour assurer ces séances. Voilà, merci beaucoup. Ciao Lamanger.